Salut les techniciens, c'est Hamslow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va nickel. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode de Gloroskill. On est là, on est tranquille en Division 1. On a fait deux matchs dans l'épisode précédent, ça s'est super bien passé, on a fait deux victoires. Je suis assez content parce que pour une fois qu'on avait dominé les matchs, on a gagné les 3 points quoi, tout simplement. Donc là je crois qu'on est donc à 6 points, il nous reste pas mal de matchs à faire, il nous reste 8 matchs à faire quand même. Donc il y a encore du chemin à faire, donc faut pas trop s'exciter directement hein. Donc voilà, 2 buts à 1 et 4 buts à 1 au match précédent, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est tranquille, on est pépère dans cette Division 1. Mais faut faire attention quand même, c'est pas parce qu'on a Zlatan dans notre équipe que tout peut arriver hein, dans ce FIFA, hein, tout peut arriver. Donc voilà, faut quand même faire attention de pas trop s'exciter. On va tout de suite se lancer les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi franchement ça va nickel, ça va super. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Gloroskill. Donc voilà l'équipe, comme d'habitude Zlatan Ibrahimovic avec Lavezzi et Nani, les trois devant, donc voilà ça fait plaisir. Très belle équipe, hein, franchement très belle équipe, je vous la conseille même si elle est un peu chère, étant donné que bah voilà Zlatan, enfin voilà. Enfin bref, donc voilà, c'est une équipe un peu chère mais franchement, si vous avez les crédits, n'hésitez pas à la faire. N'hésitez pas à la faire parce qu'elle est vraiment très très belle. Que ce soit en défense, elle est franchement. On s'est pris deux buts en deux matchs et encore, c'était mes erreurs à moi. Donc voilà. En tout cas, l'équipe, franchement, elle a de la gueule. Elle a de la gueule et si vous avez les crédits, n'hésitez franchement pas. N'hésitez hein, franchement pas et achetez-la tout simplement. Donc c'est parti les potes. On va tout de suite se lancer dans le bain, hein, comme d'habitude. Les techniciens, ils sont partis en Division 1. On est bien parti quand même. On est vraiment bien parti, faut le dire. Faut le dire. Mais hein, comme je l'ai dit, il faut pas se relâcher, il faut faire attention quand même de pas faire n'importe quoi. De faire attention donc bah à pas se prendre de contre, à pas se prendre de but et à surtout à pas perdre de match quoi tout simplement parce qu'on est en Division 1 et tous les points sont vraiment cruciaux. Et c'est parti, on a déjà trouvé un adversaire, on va jouer comme ceci, ça devrait le faire. Pour pas trop s'embrouiller avec les maillots. Donc alors quelle équipe il va nous proposer pour ce premier match? J'espère que ça va pas être trop difficile. Enfin remarque qu'on a Zlatan etc. Donc bon ouais. Ok d'accord, il nous sort une... Oh il a Setch. Il nous sort une BPL hein, Walker avec Kaboul, Setch, Clichy. Ouais bon devant encore ça va, il a Schürrle, Nani et Drogba. Bon Drogba faudra faire attention parce que je pense que ça va tenter les centres-têtes. Je sais pas ce que ça va. Après je dis ça, ça peut mon adversaire peut créer la surprise et peut genre faire des petits gestes techniques ou peut créer des actions en mode des passes tranquilles tu vois. Mais je pense pas, je pense que s'il a mis Drogba c'est pour avoir la tête de Drogba les potes. Bon, on est chaud, on va essayer de pas trop rager parce qu'en ce moment je sais pas ce qui se passe mais Sam c'est un gros rageux. Enfin bref, on me l'a reproché donc je vais faire attention. Que ce soit dans cette série ou dans les autres séries, je vais vraiment essayer de faire attention. Et c'est parti les potes pour un nouvel épisode de Gloroskill, les meilleures actions de cette première mi-temps. Et espérons que ça se passe bien pour nous. Et c'est parti les potes pour les meilleures actions de cette première mi-temps. Ça commence très très bien. Ça commence très très bien les amis, Schürrle qui nous pulvérise directement après une contre-attaque. Je savais que j'allais foirer dès le début, je le savais, je le sentais pas en fait, je le sentais pas du tout ce match. Je sais pas comment ça... J'ai Marcos Rocha depuis le début, même le match précédent il me fait un petit peu de la merde, je sais pas ce qui se passe. Donc je vais peut-être le changer, je vais peut-être prendre un autre défenseur droit parce que là il me fait un petit peu n'importe quoi. Et, si vous voulez il est un peu trop en avant donc... Après je me retrouve avec seulement deux défenseurs, du coup il obtient une contre-attaque et boum je suis dans la merde quoi tout simplement. Mais bon c'est pas fini hein. On a Zlatan. Allez boum. D'accord ok. Bon on met les transversales, ça va pas le faire hein, faudra faire attention quand même. Allez on va centrer direct, allez. Ça va être Setch au goal donc les transversales et les arrêts de Setch hein, ça va y aller hein. Moi je vous le dis ça va y aller. Oh là là, mais Schürrle il nous fait mal quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, punaise. Il a fait deux frappes, deux buts. Ok, je peux rien faire, deux frappes, deux buts. Donc bon, faudrait peut-être faire un truc là, faudrait peut-être faire un truc Sam là, parce que là tu casses les couilles, là tu fais que de la merde. Putain, c'est pas possible là, c'est pas possible, il faut qu'on se reprenne. Non, non, c'est pas possible. Non, mais c'est cramé quoi, mais y'a personne qui l'attaque. Y'a personne qui l'attaque. Bah ouais mais y'a personne qui l'attaque. Mais le mec c'est trop cramé qu'il allait faire une passe lobée. Passe... Putain c'est n'importe quoi. Mais tu crames, t'as beau cramer l'adversaire ce qu'il va faire. Mais les joueurs ils suivent pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est Gloroskill, je sais pas pourquoi à chaque fois je me prends la tête à essayer de bien jouer. Mais c'est ma faiblesse quoi. C'est ma faiblesse hein.
J'essaie à chaque fois de proposer du beau jeu, alors qu'on est, on est dans Glorious Kill, on s'en bat les steaks du beau jeu, on est là pour gagner, on est juste là pour jouer avec nos joueurs avec 5 étoiles de... Mais putain, mais c'est Dédé mon gars, mais il faut arrêter là par contre là. Putain, il laisse même pas jouer en plus, tu te fous de ma gueule. Bon, on rage un petit peu là, 3 buts à 0, il y a de quoi rager, hein. Franchement, il y a de quoi rager, le mec il a fait 4 tirs, 3 buts, c'est ça? Punaise, n'importe quoi. Bah ouais, 4 tirs, 3 buts. C'est n'importe quoi ce jeu, je vous promets, c'est n'importe quoi, il tire une fois, il marque. Enfin bref, c'est 7, de toute façon, c'est obligé, mais à chaque fois que je tombe contre 7, je marque pas en fait, c'est ça qui est marrant. Enfin bref, c'est parti les potes pour la deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi j'essaye de tirer, il y a 7 Shogun, mon gars. Voilà, allez hop, les lags en plus. Mon gars, ça lag. J'ai pas de chance, je te promets, j'ai pas de chance. Heureusement, c'était Ibrahimovic qui avait la balle. Mais vous avez vu un petit peu comment ça lag en pleine action? Limite, il dit non, tu vas pas marquer, alors on va tout faire pour pas que tu marques. C'est n'importe quoi. Enfin, on marque le premier but. C'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Allez, les potes, là, on est tranquille, on est bien. On se fait enculer 3 buts à 1, désolé des gros mots, mais c'est pas possible là, c'est pas possible, il faut qu'on se reprenne. Allez les potes là. Il y a faute là. Bien sûr on fait des passes lobées, on s'en bat les steaks maintenant. On s'en bat les steaks, on est dans Glorowski hein. On s'en bat les steaks moi je vous le dis. Faut pas que je tire de loin en fait, faut pas que je tire de loin parce que c'est 7. Absolument que je me rende ça dans la tête quoi. Putain, il y avait la défense là par contre, c'est obligé, c'était ouais, la défense là franchement là Sam t'as tout niqué Sam, t'es un trou de balle, c'est tout. Je suis un trou de balle. La défense elle était foireuse là. Franchement là c'est complètement de ma faute. Je sais pas pourquoi Dédé il s'est mis sur le côté gauche. Enfin bref. Bah le but qu'il fallait pas prendre quoi, le but qu'il fallait pas prendre. Maintenant on a 3 buts à se rattraper quoi. Ça va être compliqué. Oh là là, mais c'est quoi? Non mais tu te fous de ma gueule quand même. Faut pas abuser non plus les passes là. Faut pas abuser quand même. You came from heaven down to earth. Putain, mais pourquoi il tire comme ça? J'ai pas tiré fort. Ah, c'est pas possible, putain. Les actions comme ça, faut que je les mette quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fous, Sam? T'es un trou de balle ou quoi? Allez, stop play là. Putain, Sech. Ah, je le sens pas du tout ce match. Je sens qu'on va essayer de remarquer un autre but là. Je sens bien un 4 buts à 2. Mais après, Sech, il va tout arrêter. Putain, ce jeu, sérieusement. T'as besoin que de vitesse, quoi. Putain, il a poussé un corner, il va marquer 5 buts, c'est ça? Ah là là. Allez, Ibrahimovic, là, t'es bon de la tête, là. Sors ton coup de boule pour la défense. Oh non! Oh là là! Kaboul, mon gars. Kaboul. C'est presque coup de boule, hein. On y était presque, hein. Mais c'est pas possible! Ce n'est pas possible! Mais à chaque fois qu'il tire, il y a but! C'est pas possible ce match! A chaque fois qu'il tire, il y a but! Putain, mais c'est pas possible quoi! Oh non, mais faut arrêter là, les mecs! Mais c'est n'importe quoi ce jeu! Bah ouais, allez là, putain, les potes là! On revient en retard encore une fois là, 4 buts à 2, 5 buts à 2 quoi, j'hallucine, on s'est mangé 5 buts quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, putain. On a beau dominer dans les stats, mais mon gars, mais Sech, mais c'est pas possible. C'est Sech tout puissant. Franchement ça dégoûte. Ça dégoûte, mais tu peux même pas. J'en perds mes mots tellement c'est moche. Bah ouais, on domine encore une fois, non mais c'est n'importe, mais je vous jure. J'ai jamais gagné contre 7, je vous promets, j'ai jamais gagné contre 7, ou alors j'ai dû gagner une ou deux fois dans tout FIFA, quoi. C'est n'importe quoi, comment il est tellement abusé. Mais il y a que Ibra qui peut marquer contre lui, c'est n'importe quoi, en fait. Bon, bref, deuxième match, tu vois, c'est Ibrahimovic, le... Bah oui, pff.
Ah là là, bon allez, deuxième match les potes, on se retrouve tout simplement pour le deuxième match, c'est parti les amis. J'arrive pas à croire quand même, on s'est mangé 5 buts quoi, on s'est mangé 5 buts, mais à chaque... Surtout qu'il a fait que 5 tirs cadrés, à chaque fois qu'il cadrait les tirs, il marquait quoi, mais c'est n'importe quoi. Doom FC, s'il te plaît, ne sors pas du 7, s'il te plaît. Ne sors pas du 7, parce que... Non, mais franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il va nous sortir du 7, lui aussi. Ok, il nous a sorti du Hart. Du Joe Hart. Par contre, il a une très belle équipe, hein. Il a du Van Persie et Suarez devant. Bon, Suarez, c'est pas la version la version augmentée, parce que je crois que la version augmentée, elle est à 88, de général. Il a Juan Mata, il a Jesus Navas et Valencia sur le côté droit. Ok. Donc ça va jouer en vitesse, à mon avis, sur les côtés. Faudra faire attention, par contre, là, il faut vraiment absolument marquer et gagner ce match, parce qu'il nous faut les 3 points, là, c'est pas possible. On se mange 5 buts dans le premier match, 7, on peut rien faire contre lui, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, quand il joue avec moi, je me rappelle qu'en début de FIFA, on se prenait je me prenais des buts, quoi, c'était n'importe quoi. Enfin bref, c'est parti les potes pour les meilleures actions, et espérons que ça se passe beaucoup mieux dans ce match, parce que là, ça va pas être possible. Faut vraiment qu'on se reprenne, et vous inquiétez pas, les techniciens, ils seront toujours là, en division 1, et on a pas dit notre dernier mot. Allez les potes, c'est parti. Oh non, mais c'est pas possible, la chance. On a perdu notre chance, je sais pas ce qui se passe là. Mais je sais pas ce qui se passe. C'est n'importe quoi, mais pourquoi il va en dehors de la surface de réparation avec avec la balle dans les mains. Faut... N'importe quoi. Bon, heureusement, il a tiré dans le vent. Oula, c'est quoi ça, Ibrahimovic, là, j'ai pas fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on dégage ça, là. J'ai dit, on dégage ça, s'il te plaît. J'ai pas dit... Ok. Bon, comme d'habitude, il essaye d'aller sur le côté. Magnifique passe, allez Nani. Allez Nani. Ah là là, putain. Bon, j'ai fait un petit peu le show là dans la surface de réparation. J'aurais peut-être dû tirer avant, mais bon, c'est pas grave. On obtient un corner et je pense que vous connaissez les corners, les potes. Il est où Ibra? Il était où Ibra, putain? Allez, on va le mettre. Allez. Ah, dommage. Attends, c'est pas fini. Allez, vas-y. Putain, il l'a bien reprise là, celle-là. Il l'a bien reprise, faut faire attention aux contre-attaques. C'est qui? C'est Suarez. C'est bon, il court pas vite. Tranquillement, voilà. Allez, Ibra. Ibra. Pourquoi il a pas tiré? J'ai pas compris là. C'est pas possible là. J'ai appuyé deux fois au moins sur le bouton pour qu'il tire. Putain, la vitesse, il fait que ça, il obtient un corner. Il obtient un corner et c'est lui qui va nous mettre des coups de boule, c'est ça. Pepep. Oh putain, bien joué Jefferson. Encore. Oh non, s'il te plaît, pas de penalty. Allez, Ronaldinho, par contre la vitesse. Bien joué Ronaldinho, oh là là, il a mis la misère. Allez, on temporise tranquillement. Maintenant, la vas-y, allez. Putain, mais ils mettent 15 ans à tirer, c'est pas possible ou quoi? Ils veulent rentrer dans le but avec la balle. Ah bon? Ah, je crois qu'il y avait corner. Moi, je voulais le coup de boule, moi. Bien joué. Là par contre il est sorti et là on essaye le lob et ça passe le lob, c'est ça les potes, allez là. 1-0, but de la Vézi à la 24ème minute de jeu avec une passe décisive de Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic pour la passe décisive les potes, allez c'est bon là. Ce match il est dans la poche et normalement on devrait remporter les 3 points dans ce match. Donc c'est parti les potes, on continue comme ça et il faut qu'on marque encore plus de buts. Parce que là, faut oublier cette défaite 5 buts à 2 là, faut l'oublier les potes, faut l'oublier. Bien joué Ibrahimovic, putain bien joué. C'est ça la vérité, c'est Ibrahimovic les amis. Mais oui, la petite feinte là pour s'arrêter. Et boum, qu'est-ce qui se passe? Putain de merde, allez là les potes, allez c'est bon ça. 28ème minute de jeu, on prend l'avantage là. Avec deux buts à zéro là, c'est ça les potes. Et il faut qu'on continue. On perd pas espoir les amis, moi je vous le dis, on perd pas espoir. Allez Ibra. Tu veux faire le malin contre Ibrahimovic? Eh ben non, tu fais pas le malin contre Ibrahimovic. Mais oui, Ibrahimovic, il va y aller, moi je vous le dis. Merde.
Faut pas que je m'enflamme non plus là. Faut pas que je m'enflamme là, Sam, qu'est-ce que tu fous? Faut pas que tu t'enflammes, l'ami. Allez, allez, la défense. Bien joué, Rojo, bien joué, l'ami. C'est ça la vérité. Allez, les potes, on continue. Allez, Ronaldinho là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dégage parce que là, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur là. J'ai un petit peu peur. C'est bon, tranquillement. On est en défense quand même. On est en défense. Allez, Zlatan. Allez, Zlatan. Mais oui, c'est ça les potes. Je vous jure, on va marquer un maximum de buts dans ce match là. On va marquer un maximum de buts. 3 buts à 0, 34ème minute de jeu. C'est parti les potes. Doublé de Zlatan Ibrahimovic. Allez les potes. Putain. C'est ça que c'est bon là. C'est ça que c'est bon. Et il va Rashkit, je crois. Il va Rashkit. Bien sûr, tu vas Rashkit, l'ami. Allez, Rashkit là, s'il te plaît. Bien sûr qu'il Rashkit, les potes. Allez, hop, hop, c'est parti. Et je crois qu'on va enchaîner avec un troisième match, les potes. Avec un troisième match. Trois matchs dans un épisode, les potes. Si vous kiffez, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça me ferait vraiment plaisir. Et allez, les potes. Il faut qu'on oublie cette défaite, là. Il faut qu'on l'oublie, cette putain de défaite. 5 buts à 2, là. Allez, attends, je vérifie un petit peu quand même. Il nous reste 6 matchs, on a 9 points. Franchement, on est bien parti là. 3 victoires, 1 défaite. Et c'est parti pour le troisième match, les amis. C'est parti pour la recherche de notre troisième adversaire. Alors, on a trouvé un adversaire, les amis. Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme équipe? On va jouer comme ça. Parce que je crois que le maillot d'Arsenal, je crois qu'il est aussi en bleu. Enfin, le short plutôt, il est en bleu. Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme équipe? Champion BPL, comme d'habitude. Bat 7 par contre. Ok, il a eu une Liga BBVA, ok, pour changer. Il a pratiquement Barcelone. Pratiquement en fait des joueurs espagnols en fait. Pratiquement, ouais. Tac tac tac. Busquets, Xavi. Bon, devant il a quand même Diego Costa. Faudra faire attention à lui parce que je crois qu'il est très très fort de la tête. Donc les corners, faudra faire attention les potes. Et j'espère que ça va se passer bien, hein, comme le précédent match. J'espère que ça va se passer bien. Là on est chaud patate. Allez, faut qu'on on se concentre les potes. Et faut vraiment qu'on oublie cette défaite 5 buts à 2 là. Le petit 7 là, franchement, c'est assez hallucinant quand même. C'est assez hallucinant. J'arrive pas à dire il faut qu'on l'oublie, mais j'arrive pas d'en parler, donc on va pas l'oublier. Bon, allez, c'est parti les potes pour les meilleurs de cette première mi-temps. Et franchement, on est là, on est tranquille, toujours dans cette division 1. On n'est pas éliminé. On a encore un petit parcours à faire. Et c'est parti les potes, rien n'est joué encore. Alors c'est parti les amis pour les meilleures actions de cette première mi-temps. Oh putain, la magnifique passe, il est tout seul. Ah bah ouais. Oh là là, magnifique. Oh, il a sorti le ciseau là. Oui, putain, mais Ibrahimovic, c'est un ouf, mon gars. À chaque fois qu'il tire, il marque pratiquement. C'est abusé. Donc, certes, lui, par contre, lui, c'est un peu normal. Il a un petit peu noté 89 de général. C'est Ibrahimovic, quoi, tout simplement. Enfin, bref. C'est Zlatan, quoi, tout simplement. Franchement, il n'y a rien à dire. Un but à 0 à la 24ème minute de jeu. On a mis du temps à marquer. Mon adversaire qui défend très bien. Il joue vraiment très, très bien. Donc, faudra faire attention. Il a eu quelques occasions, lui, par contre. Donc, faudra faire attention qu'il revienne pas au score. Vraiment, c'est quelqu'un qui joue très très bien. Allez, Nani. Oh là là, mais c'est magnifique tout ça, les potes. 2 buts à 0, 28ème minute de jeu. Pa. Ça rigole plus. Nani avec le Maggie Dispin. Ensuite, Neymar Ocus Pocus avec Ibrahimovic. Oh là là, et la grosse frappe, franchement. Oh là là, mais ça fait plaisir, les potes. 2 buts à 0. Allez, c'est parti, les amis. C'est parti. Putain, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir des buts, les potes. On veut voir des buts. Voilà, il nous rend la balle. Allez, hop, c'est parti. Lui aussi veut voir des buts. Allez, hop, 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 c'est parti. Allez, là, vas-y. Tu fonces, l'ami, tu fonces. Et après, tu fais ça. Voilà, et après, tu fais ça. Et là, tu l'as vu là-haut. Voilà, et là, on centre. Et le but. Merde, c'est pas Ronaldo, n'importe quoi. C'était Ibrahimovic, mais c'est pas grave. On voulait le coup de boule d'Ibra. Hey, t'es sérieux là? Il sait pas c'est quoi là? La chance est revenue. Ok, d'accord. On va appeler ça de la chance parce que là j'ai. En fait, j'ai voulu faire une fin de frappe. J'ai complètement raté la fin de frappe. Au final, il a tiré. Et il y a but. Moi je dis après ce match, Claudio Bravo, va falloir le jeter, hein, parce que là il fait un match de merde. Hein. Il fait un match de merde. Bon bah 3-0. Hein. D'accord. C'est tranquille. Hein. Allez, Rocha. Bien joué, Rocha. Allez. Dommage. Nani avec la tête, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre, mais bon, c'est pas grave.
3-0 les potes pour cette première mi-temps, comme dans le match précédent. Doublé d'Ibrahimovic et but de Marcos Rocha qui, qui était un petit peu bizarre. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une feinte de frappe sauf qu'il a tiré du pied gauche au final. Et c'est rentré quoi, c'est rentré. C'est assez malchanceux de la part de pour mon adversaire plutôt. Mais on domine le match et je vois pas pourquoi on dominerait pas aussi le score. Donc pour une fois, franchement pour une fois, ce but là il est magnifique là. Le Neymar Hocus Pocus qui est passé tranquillement. Ça fait plaisir les potes, regardez, on domine hein. Là, pour une fois qu'on... 3 tirs, 3 buts. Pour une fois que ça nous arrive les potes, pour une fois que ça nous arrive. Bon, mon adversaire il domine un petit peu la possession vu qu'il fait que défendre pour pendant cette première mi-temps. Il a tiré aucune fois donc... Donc voilà, on domine quand même, et les potes, c'est parti pour la deuxième mi-temps, et faut pas qu'on se lâche, les potes, et c'est parti, les amis. Bon, les potes, notre ami, il a arrêté de jouer à la 55e minute de jeu, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas essayer de marquer, et s'il continue à jouer, bah, on se retrouve, bah, dès qu'il continue à jouer, sinon, bah, on se retrouve, donc, à la fin du match, les potes. Bon, voilà, les potes, fin du match, on gagne 3-0, donc il a été absent pendant pratiquement toute la deuxième période de jeu, c'est pas très grave, on a quand même gagné. J'ai pas voulu lui marquer de but parce que je suis quand même quelqu'un qui, voilà, je respecte le mec, hein, s'il avait quelque chose à faire ou quoi que ce soit. Hein. Tout le monde a quelque chose à faire dans la vie, on n'est pas tous devant notre console, etc. Enfin bref, les potes. 3-0, donc voilà, il s'est rien passé, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tenté de tirer ou de marquer. Lui par contre, il a essayé, il a failli marquer, donc bon, c'est pas très grave. 3-0, donc bon. 4 victoires et une défaite. La défaite, franchement, c'était n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave, les potes. Ça fait plaisir. On a joué 3 matchs dans cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Il nous reste 5 matchs restants et tout est possible, les amis. Tout est possible. Tout est encore possible. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de. Voilà, on peut souffler quoi dans cet épisode. On peut souffler. On est tranquille. Il n'y a pas de stress. On a encore 5 matchs à faire. Tout est encore possible pour avoir le titre de la Division 1, les potes. Et j'espère qu'on va l'avoir, ce putain de titre, avant FIFA 15. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Ça devrait bien se passer. Je vais juste aller voir les stats de Ibrahimovic pour un petit peu comment ça se passe. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai bien envie de voir comment il se débrouille par rapport au nombre de matchs qu'il a fait et au nombre de buts qu'il a marqué. Donc on va tout de suite voir un petit peu notre équipe. Allez hop hop hop, c'est parti les amis. Alors Ibrahimovic, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a marqué beaucoup plus de buts qu'il a joué de matchs. Ouais, 24 matchs, 29 buts, 9 passes décisives, franchement ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ensuite il y a qui? Il y a Lavezzi, 23 matchs avec 11 buts et 9 passes décisives. Nani avec des stats similaires, hein, 10 buts, 10 passes décisives pour 23 matchs. Perez qui fait pas trop de passes décisives ou qui marque pas, mais bon, c'est un milieu central. William Carvalho qui n'a fait qu'une passe décisive durant ces matchs là. D'accord. Ronaldinho qui lui a mis franchement il se débrouille, hein, Ronaldinho. Il se débrouille. Monzon aussi. Bah Rojo qui a marqué. Dédé qui n'a toujours pas marqué en coup de boule. Ce qui est un petit peu bizarre. Marcos Rocha lui qui a marqué un but avec une passe décisive. Et voilà, franchement l'équipe elle est bien, les potes. Et c'est comme ça que se termine cet épisode. Ça fait plaisir, on a gagné. Plusieurs fois on a gagné 2 matchs et on a perdu un match, bon c'est pas très grave. On a joué contre 7, hein, remarque, donc bon, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs dites-moi vos avis par rapport à ça. C'est la question de l'épisode, qu'est-ce que vous pensez de 7? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de 7? Donc voilà les potes, nous on va se retrouver très prochainement, j'espère que vous aurez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me ferait super plaisir. Nous on va se retrouver donc très très prochainement, sûrement demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Si vous aimez une vidéo par jour, comme d'habitude, n'hésitez pas à montrer votre soutien et à mettre un petit pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir. Et les potes, nous on va se retrouver donc très très prochainement. Surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas de chausser vos crampons comme d'habitude. Et nous, on se retrouve donc très très bientôt. Ciao ciao les amis.